Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exemple d'interprétation avec mon oracle Joie, Love et Énergie que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Et je vous mettrai à nouveau le lien en fin de vidéo. À la base, c'est un oracle d'affirmation positive. Donc, c'est un oracle qu'on va utiliser par exemple pour avoir un conseil ou pour avoir surtout. Une affirmation qui va nous redonner le sourire, qui va nous rebooster. Exemple, je prends le temps de respirer. Donc je souffle un peu, je vais réaliser de grandes choses, etc., etc. Donc ce sont des cartes conseils à la base. En consultation, je l'ai utilisé parmi d'autres comme une guidance classique. Alors, je vais vous expliquer le contexte. J'ai une cliente que je vais renommer Léa. Léa travaille à son compte. Elle donc prend rendez-vous pour une séance dans le cadre de mon programme J'ai peur, mais j'y vais quand même, concernant sa vie professionnelle. Donc, la partie vie professionnelle. Donc, elle travaille à son compte. Elle a un petit commerce de proximité. Donc, elle travaille en physique. Elle a des produits, en tout cas physiques. Et sa question principale était comment développer mon activité pour augmenter mon chiffre d'affaires dans les 6 mois à venir. Alors, nous avons étudié évidemment plusieurs pistes et l'une qui s'est imposée assez rapidement, c'est la question de sa visibilité sur les réseaux sociaux. Sachant que Léa est déjà sur les réseaux sociaux. Mais qu'elle, effectivement, ne prend pas trop le temps de développer, enfin de montrer un peu plus ses produits, les produits qu'elle vend. Et j'ai senti immédiatement une appréhension. Donc, en échangeant avec elle, elle m'a confirmé que elle avait établi un plan d'action pour justement être plus présente sur les réseaux, mais que les problèmes pour elle étaient d'ailleurs le temps. Et puis également, son appréhension se portait sur le fait de devoir montrer, enfin se montrer, au-delà de montrer ses produits, d'être plus présente à titre personnel. Alors c'était, alors franchement, ça m'a vraiment intéressée et ça m'a d'ailleurs. Ça m'a interpellée dans le sens où c'est une question que je m'étais posée il y a quelques années. Et pour en revenir à Léa, je lui ai proposé de faire ce tirage de pourquoi elle avait fait un plan, mais pourquoi elle ne le mettait pas à exécution, véritablement, d'aller vraiment chercher la source de son blocage. Et donc des croyances. Alors, comment Léa perçoit son problème? Et on a la carte je ressens du plaisir dans les choses simples de la vie. Alors, il y a deux façons hein, de l'interpréter. C'est qu'il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on était vraiment dans un blocage, la carte, je l'ai interprétée de cette façon. C'est-à-dire que Léa ne prend justement aucun plaisir à utiliser les réseaux sociaux et que pour elle, ça lui paraît assez compliqué. Et alors, on a creusé justement encore une fois, et on va y venir, pourquoi pour elle, c'est absolument pas ludique. Ensuite, on a qu'est-ce que Léa pourrait faire pour progresser? Et on a la carte, je crois au pouvoir de l'attraction. Alors, qu'est-ce que c'est le pouvoir de l'attraction? C'est nos pensées attirent nos, enfin, les événements que l'on vit. C'est une croyance, mais en tout cas, c'est si on veut attirer à nous des choses positives, ça suppose qu'on est vraiment intégré. Et qu'on incarne un esprit positif. Or, pour Léa, par rapport à sa situation, vraisemblablement, c'était
pour la partie développement sur les réseaux sociaux, c'était un frein, quelque chose, encore une fois, qui lui posait problème. Et ça suppose avec cette carte, en tout cas, ça l'invite à modifier ses pensées pour aller vers quelque chose de plus amusant, de plus léger. Alors, qu'est-ce qui bloque Léa? Et là, c'était énorme. Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Donc, ce que fait émerger cette carte, c'est l'estime, l'image d'elle-même, l'image que Léa a d'elle-même. Et c'était en partie, ça montre en partie justement pourquoi elle freine et pourquoi elle ne souhaite pas être plus présente sur les réseaux. Alors, sachant que sa croyance, hein, c'était qu'elle était obligée de se montrer physiquement. Et en fait, non, on n'est pas obligé de se montrer physiquement sur les réseaux sociaux. Par exemple, enfin, comme vous pouvez le constater, en ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas montrer mon visage en vidéo. Néanmoins, si on veut voir à quoi je ressemble, il suffit simplement d'aller sur mon site ou même sur mon compte Instagram où je montre mon visage. Et donc pour Léa, c'était je ne veux pas montrer je ne veux pas me montrer. Ce qui amène à cette carte, a priori, qui montre qu'il est peut-être nécessaire justement de revoir l'image qu'elle a d'elle-même et de trouver un moyen de s'apprécier beaucoup plus. Ouais, de s'apprécier beaucoup plus. Voilà, d'être en accord avec ce qu'elle est aussi. Et puis, voilà, qu'elle n'était pas non plus obligée de montrer son visage ou de montrer sa personne. Bon, tout ça, on l'a étudié par la suite, hein. Mais pour vous montrer vraiment qu'une carte qui, à la base, est une carte d'affirmation personnelle, met le doigt, j'ai envie de dire, sur la problématique. Et enfin, qu'est-ce que Léa devrait faire pour créer ce qu'elle désire? Et on a cette carte qui est sortie. Je suis l'amour. On revient à cette notion de s'aimer, de s'apprécier, d'être bienveillant vis-à-vis d'elle-même et de ce fait avec ses prospects ou ses futurs prospects, d'être aussi dans la générosité et la douceur, la gentillesse, enfin, dans des sentiments nobles vis-à-vis d'elle-même pour pouvoir ressentir finalement ce plaisir à créer sur les réseaux sociaux et de ce fait développer, en tout cas tenter de le faire, développer sa visibilité et du coup son chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux. Alors elle me disait que c'était plutôt Instagram qui l'intéressait, donc pourquoi pas. Voilà, donc pour résumer, pourquoi Léa avait des difficultés à passer à l'action, c'est-à-dire à être beaucoup plus active, beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. D'une, pour elle, ça lui paraît quelque chose de compliqué et de laborieux. Quoi faire pour progresser, modifier ses pensées, c'est-à-dire trouver un moyen déjà de comment? De croire véritablement d'abord que c'est nécessaire pour elle et que ça va être aussi possiblement amusant. Et qu'est-ce qui la bloque? Eh ben, c'est son regard, le regard qu'elle porte sur elle. Et ça va lui demander d'être plus authentique vis-à-vis aussi d'elle-même. Et enfin, ce qu'elle doit faire pour créer ce qu'elle désire,
être dans l'ouverture, l'accueil et la générosité. Donc on avait complété hein, par la suite avec d'autres jeux qui ont confirmé d'ailleurs le blocage et puis tous les points en fait qui sont là. Tout ça pour vous montrer à quel point un oracle qui est simplement un oracle d'affirmation positive peut être utilisé de façon, enfin en guidance, j'ai envie de dire, traditionnelle, classique, et nous donner vraiment des informations importantes, pertinentes et éclairantes sur une situation. En tout cas, ça a été une belle expérience. En plus, franchement, enfin, les illustrations sont chouettes, hein, vraiment très très chouettes. Voilà, donc c'était très intéressant en tout cas pour moi de pouvoir vérifier sur le terrain avec une cliente, une consultante qui a pu me donner aussi son retour, me faire un feedback sur l'utilisation de cet oracle. Voilà. Alors évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un des tirages parmi les nombreux que je peux faire pendant une séance. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur d'abord l'interprétation, sur la technique aussi, dans le sens est-ce que vous auriez utilisé vous aussi un jeu d'oracle, ce qu'on appelle des cartes à message. Est-ce que vous le faites? Est-ce que ça vous intéresse? Bah partagez votre avis si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis évidemment, si vous souhaitez une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!